Au village sourd. Là, c'est le meilleur. Énorme ce nid. Caserne des ouvriers, elle est vraiment énorme, les niveaux 4. Donc moi pour l'instant ma composition c'est celle-là. Donc j'ai deux camps militaires. Ensuite j'ai ça, c'est l'hôtel des ouvriers, mine d'or, enfin bref, c'est juste une mise à jour énorme. Donc d'abord là, il y a tous mes trucs qui sont prêts là. Il reste 8 encore. On va mettre 8 gemmes. Let's go. Plein, plein. Alors, donc là, c'est pour mon premier village. J'ai déjà ma petite composition, mais pour l'instant, là, on va commencer par faire un combat dans ce village. Let's go. Donc, on va faire plein de combats. Pour l'instant, je réussis bien. J'ai une bonne petite tactique. Regardez. Là, par contre, ça va être un peu plus difficile. J'ai une idée. On va direct attaquer comme ça. Ok. On attaque de partout. Ok, on va tout lâcher. J'espère que le géant va directement aller. Ok, j'espère que les petits garous, parce qu'en fait, le truc qu'il faut faire pour gagner, c'est juste qu'il faut enlever la tour d'archer. Si je tue la tour d'archer, ça va être parfait pour moi et j'ai gagné la game. Donc là, je peux déjà dire que j'ai gagné la game. C'est vraiment énorme, sauf qu'il a mis des bombes, mais c'est pas grave. Regardez-moi ça, c'est vraiment énorme. Alors là, on lui prend 2 étoiles. On va faire le 3 étoiles facilement, vu que le double canon ne peut pas atteindre les gargouilles qui lancent des boules. C'est un peu des gargouilles bizarres. Donc vous voyez vraiment, c'est un très beau village. J'adore, moi. Alors, c'est un très beau village, vous trouvez pas? Il est beau, le village. Alors, ici, lui, il a mis ça là. Il construit un truc, là. J'ai pas vu. 100%. Donc là, s'il a fait 100%, ce sera égalité. S'il a fait moins, j'ai gagné. Victoire, j'espère. Victoire, c'est bien, il a fait 10% dans mon village parce que c'est un très bon village. J'en vois que sa composition n'est pas énorme, elle est même très nulle par rapport à mon village. Donc là, on voit déjà qu'il utilise ça. Il prend mes tours, mais là, ces deux géants ne suffiront pas pour m'attaquer. C'est terminé pour lui, donc c'est pas énorme, énorme. On se retrouve pour la deuxième partie dans l'autre village. Let's go. Let's go, nous voilà dans le deuxième village, donc dans mon village principal. Donc là, c'est un petit peu ma composition, elle n'est pas parfaite. Mais pour l'instant, je trouve que c'est bien. Ouais. On va faire une petite attaque. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre? On a par exemple un géant, des sorciers. Non, c'est pas bon. On devra direct attaquer. Ça, par contre, ça peut être bon. N'empêche. Ils le sont. Non, je veux pas. Faut surtout faire attention aux. Comment ça s'appelle? Ah, là, c'est pas des très bonnes troupes. Non, pas là. Non, merci. Là, ça pourrait aller, mais tout d'un coup à l'intérieur. On doit d'abord attaquer ça, puis ça. On va essayer de trouver autre chose. What the fuck? On va pas se gêner, on va direct attaquer. Let's go.
On prend ce petit village. Donc moi là, j'ai décidé de faire un petit peu comme ça. On pose nos petits voleurs ensuite. Ici on pose ça et puis là on continue avec des archers. Ok, donc là ici je suis pas très fort pour faire ça. Et on va poser nos petits barbares qui vont vraiment nous aider. Donc au moins on gagne on gagne la partie. C'est le principal. Donc là il faut qu'on bouge, sinon il y a les mines là, je sais pas comment ça s'appelle. Ok, donc là on va encore jouer des petits barbares ici. Normalement il nous reste encore beaucoup. Et là eux qui vont servir à rien. Splung. Splung. On peut faire le 3 couronnes. Et mais on va faire le 3 couronnes. Parfait. Parfait, pour moi c'est parfait. Pas de problème pour moi. Je vais pas me gêner. Ok, donc là on est déjà à 418. Je comprends pourquoi mettre bouclier de nuit activé pendant 16 heures, pendant 17 heures, pendant 20 heures. Moi je m'en fous complètement. Du moment que j'ai ça. Donc on gagne facilement. Donc ça, on va faire un petit screen de ma petite composition. Let's go. Hop. Oups. Ok. Continuez. Une petite game qui a été remportée. On se retrouve dans l'autre village. Let's go. Nous voilà dans l'autre village. Donc on continue pour un petit combat avec la même composition qu'avant. On a 338 trophées en local Belgique. Bah, le plus fort il a 2500. Est-ce qu'il est dans le top 3? Peut-être 2555. 2564. Et oui, on est fiers. 2564, il est où? Mathias. Mathias. Et ouais, mon gars. On est fiers de notre Mathias. Alors, let's go, baby. On y va dans un petit combat. Stylé quand même, là, c'est un vieux, j'aime bien, j'aime trop. Oh, wow, on peut faire un très beau truc avec ça. On attaque sans prendre de temps. Ok, non, on veut juste la tour d'archer. On veut juste la tour d'archer. Et oui, on a la tour d'archer. Donc c'est bon, on a gagné le petit combat. Enfin, on n'a pas gagné, on a 100% quoi. Ici, il y a les deux petits trucs là. Ici, je ne sais pas pourquoi, ça sert pratiquement à rien. De mettre ça là, moi si j'étais lui, j'aurais mis ça là. Ici, comme ça, si j'aurais fait ça, j'aurais attaqué là. Ça fera comme des remparts, en fait. Moi, je fais ça des fois. Enfin, je fais ça dans mon deck actuel. J'espère qu'il m'a pas pris trop de tours et qu'il va pas faire un 10 sur 10. Pas 10 sur 10. Un 100%. Je pense qu'ils vont aller directement là. Ce serait bien. Et lui, là, qui va directement. Ils sont quand même stylés ces petites gargouilles. Ils sortent par la bouche. Ils sont belles, hein, quand même. Un peu plus d'aide pour celle-là. Voilà, on a gagné. Ah oui, il y a ça aussi.
Let's go, on gagne 100%. Victoire, encore une petite victoire qui fait plaisir. Lui, il a fait 80%, vous avez visionné. Regardez. Mais c'est vraiment pas terrible leur combat, eux. Donc maintenant, c'est vraiment devenu un de mes meilleurs jeux. C'est mieux qu'à Shroy, je trouve, personnellement. Ok, donc là, il va pas essayer, il va pas arriver à l'âge de V. Il y a mon petit double canon qui est très efficace. Et voilà. Donc, je viens pour le petit bruit désagréable. Donc, on va voir l'autre village. Les troupes sont pleines ou pas? Ben non, on essaye. Oh non. Ben on va utiliser ça. On va se faire un petit combat, on va pas se gêner. Donc je me rappelle, avant, je faisais comme ça, mais là on va pas l'utiliser. Ok. Là, il faut un peu que je vois qu'est-ce qu'il y a dans ce... Déjà, si j'arrive à prendre tout ça, j'aurai déjà plus de 50%, normalement. Déjà, là, je vais m'assurer la place de vainqueur. Je vais mettre des petits archers ici. Comme ça, je suis assurée d'être vaincue, d'avoir gagné. Et puis, on va pas gêner, on va poser des petits archers ici. Quelques barbares qui vont s'infiltrer. Ici, la petite cabane. Ok. On prend ça. On pose toutes nos troupes là. Et puis là, on va poser juste comme ça. Donc voilà. On laisse faire. Puis après, on fera un dernier combat. Ensuite, ce sera la fin de la vidéo. Vous voyez le butin qu'on se fait? J'adore faire tout ça comme butin, ça me fait du bien. Je sens que je gagne de l'argent. Parce qu'en vérité, c'est ça qui compte, c'est l'argent. Clash Royale, comme ça, je peux améliorer. Donc, je suis quatrième. Je suis actuellement 50e. Ok, on va déjà demander une porte. Ensuite, let's go pour ce combat. Ici, qu'on va attaquer, trouver. Let's go. On essaie qu'on va. On espère qu'on va réussir. Alors. Oh non. Ça commence vraiment. Très mal. C'est pas du tout ce que je voulais. On va faire comme ça, les mêmes trucs avant. Donc on va essayer, si ça fonctionne pas, ce n'est toujours pas grave. Faut vite que les gargouilles se grouillent. Se grouillent. Ah, oh, ça c'est bien. Voilà, on a pu passer. Donc moi je vous dis, essayez cette compo si vous êtes petit niveau. Vu que vous avez encore juste deux camps militaires, vous ne pouvez pas faire des grandes compositions comme dans votre autre HDP. Donc je vous conseille vraiment cette composition de malade.
Okay, donc on a ça ici. Ensuite, ça, ça, ça. Ça, il va être pris. Et il manque plus que ça. Hop. On a le parfait, carrément. Et on, victoire ou pas victoire? Égalité. Dommage. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce jeu. N'hésitez pas à le télécharger. Vous pouvez rejoindre mon clan. C'est celui-là. Il s'appelle Sauce Royale. On accepte tout le monde. Donc là, je vais juste faire la petite composition avec vous. On avait mis 5 comme ça. Ensuite, on avait rajouté 2 comme ça. 3 comme 2 comme ça, mais qui ne servent à rien. On va prendre 3 comme ça. Ça. Ça, on va en prendre. On va vraiment en prendre cela aussi. On rajoute quoi? C'est bon, on a 240 sur 240. Ok. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bye, les potos. Bye, 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 bye.